Merci à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur FC24 pour une nouvelle rencontre. Et on est de retour du coup en Ligue 1 après avoir fait nos deux matchs amicaux avec l'équipe de France que l'on a remporté. Donc ça c'était plutôt pas mal. Et pour l'instant, on n'a pas de défaite. On a plutôt remporté tout ce qu'on a fait jusque là. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est acté. Bien sûr, ce n'est que le début. Et cette fois, on va recevoir Nantes. On va essayer de remporter une nouvelle rencontre. Attention, une perte de balle ici. On se retrouve tout de suite avec un nouveau feuilleton qui s'annonce très intéressant. Et on sent l'ambiance montée tout un peu dans le stade. Une très belle fête se prépare. Et encore un nouveau match à vous proposer. Les amas de football, ce n'est jamais pareil. Le suspense est toujours garanti. Et le bon sens, là, peut-être. Et ça passe par 4-0. Ouais, il est passé, c'est bien allez, fait. Ça fait 1-0. Voilà le premier match des mots pour le spectacle. Allez, bon, 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 on va ouvrir le score face à Nantes. Castelletto. Avec pour la droite. Castelletto. Ouais, bien joué. Le duel est remporté. Une bonne opportunité à jouer là-dessus. Belle intervention dans les 10 centimètres de faute. Techniquement, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Thierry Veillard. Ah non, la balle est perdue. Pour l'instant, on a la droite. Ça y est, avec le ballon. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ah, bien joué dans la profondeur. Il y a pas de prise de balle. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti. Corner. Très vite sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. La frappe de Ronaldo. Oui, bien joué, bonne intervention défensive. Et c'est pour Philippe Foden. Le ballon pour Messi. Attention pour l'occasion. Et le retour joue là-dessus. Il est décisif cet arrêt. Oh, il n'a pas réussi à tirer. Pourquoi il ne tire pas? Terrible. Ah, le porteur, il n'a pas tiré. Ah, le ballon est rendu. On voit l'équipe de l'OL qui maîtrise la possession depuis quelques temps. Pour leur adversaire, ça va commencer à être compliqué de s'en sortir. Oh, c'est bon. Allez, 2-0. Qui creuse l'écart en faveur de l'Olympique Lyonnais. C'est un but de la poussée, de répétition, d'insistance, d'exigence. C'est un but qui est tout pour la défense. C'est un but moderne qui nous gardera dans la nostalgie. On peut frapper Ronaldo. C'est bon. Et c'est au fond. Et un, et deux, et trois buts d'avance. Le but, c'est la conséquence directe de ce de pression sur la relance. Le ballon est repris de haut. Ouais, c'est bien fait. La protection balle. Castelletto. Elle est en direction de Gourdin Gourbad. Et donc, la course est fixée à l'instant. Et le match est fait la course. Pour l'instant, 3-0 à la mi-temps, c'est parfait. L'adversaire n'est pas à la hauteur. La seconde période. Philippe, la frappe. Frappe contre et le danger est toujours présent. Oh, une situation très très dans mon bagage, mais finalement, on s'en sort bien. C'est joué par Foden. On le met ça fait corner encore. Ah, c'est bon, ça va rien tirer. Pas assez bien joué. Pedro Thierry Bella.
Pierre Gabriel. C'est donné en retrait pour le gardien. C'est éventuel transfert, c'est le gros sujet du moment. Le montant de transfert va déjà donner des têtes, enfin, pour l'instant, ce n'est que deux. Et oui, même si personne ne sait rien, ça passionne tout le monde. On discute, on a un avis, on le partage. Les rumeurs des transferts, c'est le feuilleton du football par excellence. Et ça joue avec Messi. Oh, c'est repoussé, mais attends, ça n'a pas fini. Allez, on va reposer la position de hors-jeu. Pedro Chirivella. Et c'est pour Pierre Gabriel. Pierre Gabriel. Voilà, c'est très bien défendu. Oh, attention à ce ballon! Ouais, ça fait 4-0. Oh là, c'est pénal! 4 buts d'avance, encore! C'est mal! Allez, score est donc de 4 buts à 0. Ça joue sur Vinicius. Ah oui, ça joue sur Ronaldo! Et c'est donc voilà, c'est ça! Okay. Exceptionnel! Quelle grande classe! Quel talent! Je m'améliore un petit peu. Et c'est Manida, ça fait maintenant 5 buts à rien. Des champions pour espérer avoir un meilleur niveau. Pour la moite. Merci de vous suivre. Oh là 6-0, allez. Quelle frappasse à cette distance en plus. Exceptionnel. Oui, il y a des espaces dans ce couloir. Et là, voilà, capable dans les 10 dernières minutes de jeu. Récupérer ça. Ah, vraiment intéressant. Mais si la frappe. Ah, super défense. On a vu le prodige, la précision, la vitesse. Il y avait de la générosité, de l'enthousiasme. On a vu le football dans son expression maximale. Très bonne couverture de balle. La frappe. Elle s'est captée. Son fou. C'est les gros. C'est la dernière minute. Ah, il a pas d'entente sur cette face. Mais si la frappe. Oh, c'est bien défendu. C'est la fin du match. C'est une victoire. C'est 0 points de plus pour le Lyonnais. Il faut souligner la performance en France. Et donc on va là justement avoir la Ligue des Champions la prochaine fois. Et donc le premier match de poule, ce sera la réception du FC Porto qui promet, je l'espère, un match intéressant. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette rencontre. Et on se retrouve très prochainement pour la suite, bien sûr. À très bientôt. Ciao.